Allez, bonjour tout le monde et bienvenue pour la suite de Dotac, le jeu formidable. Ouah, merci pour les bits, Podokuma. Mais oui, on va venger la tsundere aujourd'hui, évidemment, évidemment. La tsundere qui est décédée, mais non seulement on va la venger, mais on va aussi trouver un moyen de la sauver, j'en suis persuadé. Parce que bah, pour une fois qu'on avait un personnage potable dans ce jeu, alors, il faut à tout prix le ramener le plus vite possible, évidemment. Alors du coup, hier, il y a eu un léger souci de sauvegarde, voilà. Donc en 20 minutes, on a refait ce qu'on avait fait en 2 heures. Mais il faut aller farmer. Il faut aller farmer parce que bah, on n'a pas le niveau. Alors, du coup, c'est bien de vouloir essayer de se venger, mais bon, il faut avoir les moyens de se venger aussi. C'est important. C'est important. Et du coup, bah, c'est ce qu'on va faire là, vite fait. On va. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, pourquoi je suis parti là-bas? Je sais pas. J'ai vu le marqueur, je suis parti, j'ai. C'est pas grave. C'est pas grave, on retourne là-bas. Ah, et du coup, salut Nai Monokuma, Suraj et Black Rose. J'espère que vous allez bien. Et puis, bah. J'espère qu'on va y arriver en first try. C'est surtout ça. C'est surtout ça, en fait. Alors, attends. On va se faire un truc de terrain de préférence. Non, pas à moto. Pas mission à moto. Attends, c'était peut-être celui d'avant en fait qu'il faut changer. Voilà, c'est ça. Alors, attends. Vaincre le boss, ouais, non. Vaincre le boss, donjon, terrain. Il n'y a pas autre chose que vaincre le boss. Encore? Eh ben. Ah, c'est ton anniversaire demain! Ah, bah c'est cool! Eh, c'est cool. Ah, il faudra essayer de faire un truc. Pourquoi pas? Alors. Ah, salut Ridanos! Donjon, donjon, terrain. Ouais, non, pas 97, hein. On a essayé hier. Ah, ça a piqué un peu quand même. Non, mais il n'y a que vaincre le boss en fait. Ah non, d'accord, c'est là que ça se change. D'accord. Ah, 80, ça me dit pas mal. Ah, pourquoi pas? Voire 78. Ouais, allez. Ah, vendu. Vendu, vendu. Mais du coup, ouais. Alors, je sais pas vous, mais moi, Franker Faizid est complètement décédé hein, ce matin. Il n'y a plus du tout. Il est plus là du tout, tu vois. Avant même, t'avais une option pour mettre un mode Legacy. Là, ce matin, même pas. Le jeu. Enfin, Twitch est totalement, totalement parti en vrille. Il y a pas d'embrouille. Allez hop. Voilà. Alors, du coup, on va rester avec la grosse épée, hein, vu que visiblement, c'est. C'est plus Warsit, on va pas se faire chier. On va même bourrer, histoire de gagner moult compétences. Ah, j'y crois à fond. Ah ouais, le niveau 97, ouais, c'était un peu violent. Et j'ai été un petit peu présomptueux de mes forces. J'ai vu que... au début, ça passait bien. Donc je me suis dit, enfin les premières fois ça passait bien, je me suis dit bah, c'est bon ça va passer tu vois. Même 30 levels tu vois c'est... c'est ok. En fait non. Alors déjà 20 c'était compliqué mais... à 30 c'était beaucoup trop. Ah finalement. D'accord. Ah bah moi même en popote le... à Twitch je veux plus rien savoir. Hein. Moi, c'est décédé. Alors, attends. Mais ils ont mal, hein, quand même. Hein. Ils ont mal. Comment ça se fait qu'ils ont autant mal? Ashine Kudasai. Et c'est ça le problème aussi, c'est qu'il y a que un healer dans le jeu. Alors, je sais pas qui c'est qui a eu cette idée de merde à l'époque, mais c'est pas bien. De donner la possibilité de healer qu'à un perso. Parce que là, ça risque d'être compliqué, toutes ces histoires.
Ah, je pourrais me healer, mais vaut mieux que je garde le heal pour le prochain combat. Histoire d'en faire en moins deux. Attends, mais du coup, j'ai même pas ouvert le coffre. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, c'est pas grave, il y a des mobs. Vas-y, viens. Allez, hop. Ah ouais, je peux lancer la super, vas-y. Alors, attends. Ah, faut bien... Ah, voilà. Ouais. Voilà. Ah. Ah oui, non, bah ça, de toute façon, j'avais compris tout seul. Ah, donc, ça va. Ça va, y'a pas de problème. Hop. Mais c'est vrai que j'ai pas pensé, mais ce matin, j'ai eu la mise à jour de Firefox. Alors peut-être que c'est ça en fait. Maintenant que j'y pense. Attends, je vais ressusciter l'autre. C'est ça. Voilà, c'est ça. Ah, du coup, peut-être que l'extension de Frontier Phase Z, elle est pas compatible avec le nouveau Firefox. Hein. Ou alors, il y a une mise à jour de... du module à faire. Ah, c'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Ok. Bon, par contre, je crois qu'il est temps d'aller se healer. Ah, j'ai fait deux combats, ils sont tous fatigués. Ah, les losers. Putain, je vais jamais arriver jusqu'au... Attends, arrête ta moto. Ouais. Allez hop. On y va. Mais ça va, elle est cool la nouvelle mise à jour. De Mozilla. J'aime bien l'interface. Et du coup, ils sont enfin décidés à fusionner la barre d'adresse et la barre de recherche. Il était temps. Et apparemment, ce serait plus rapide. Mais bon, enfin, moi je vois pas trop la différence parce que bah, j'avais pas de problème de lenteur. Donc je sais pas trop. Et comment il est mort l'autre? Ah bah c'est fait raise. C'est quand même cool de pouvoir raise. Ah mine de rien... Ah attends. Mais lui il me rend 3 coups le problème. Ah, moi je reste plutôt elle là-bas. Voilà. Comme ça elle fait... elle fait distraction pendant que je peux latter les mobs. Allez hop. Ah bah ouais. Ok, le ver du temps. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah tiens. Ah, ça faisait longtemps. Yare, yare. Ah vas-y. C'est un sacré... Mais tellement. Tellement, tellement. Heureusement, c'est pas bien grand là, cette arène. Putain, mais comment ils font pour me voir eux? Ah non, mais je suis pas là. Tu me vois pas là? Comment il fait pour me voir? Allez, avance. Voilà. En même temps, je fais que 4 de dégâts. Est-ce que c'est Wabi? C'est Wars? Je suis pas sûr. Elle descend. Ah, oh, il s'est encore fait avoir. Voilà. Ah, si on s'en fait à chacun, ça devrait passer. Ah, mais ils sont tous morts! Oh mon dieu! Ah, non, j'ai au moins besoin d'un leurre. Tiens, vas-y.
Valeray. Ok. Je vais ressusciter l'autre, comme ça je peux lancer ma super. Voilà. Allez hop. Ok. Ok. Il faut tellement être à la frame pour envoyer la max. Okay. Mais ouais. Alors, attends. Oh, elle est encore. Ah bah lui aussi. Eh, c'est à ton tour de mourir. Voilà. 73, 67. Ah, il faudrait au moins qu'elle soit level 70 quoi, pour tanker un minimum. Alors du coup, est-ce que vous avez vu la... Ah non, ah, je peux pas me healer. Ah, c'est pas grave. Est-ce que vous avez vu la news sur Battlefront ce matin? C'est du jeu. Voilà. Oh mais casse-toi! Ah oh, ce piaf des enfers! Voilà. Oh, mais ils sont tous morts encore! Oh mon dieu! Alors attends, au moins la madame. Ah parce que c'est deux elle que j'ai vu. Okay. Je vais m'occuper du pierre, j'ai pas envie de le laisser en roue libre. Ah du coup, pour Battlefront 2, ils ont... Mais t'es sérieux, elle est encore morte? Putain, j'ai plus de MP. Ah du coup, je vais me faire lui d'abord. Ok. Ah mais tout va bien se passer. J'y crois au fond. Ok. Voilà. He's ok. Ah du coup, Yes a fait un message à d'excuse ce matin. Pour dire qu'ils arrêtaient toutes les microtransactions temporairement. Dans Battlefront 2. Non mais lui il veut pas. Du coup je suis juste bourré. Ça devrait le faire, ouais, c'est bon. Bon par contre là il est temps de rentrer je crois. Quoi? Non! Mais d'où ils sortent eux? C'était pas prévu au programme ça. Oh mon dieu. Ah bah mais tu m'étonnes. Il balance. Oh mon dieu. Ah, ça sent tellement le pâté. Ah, là, je suis mort. Attends. Et si je réessaye, du coup? Est-ce que j'ai plus de PV? Ah! Ah bah voilà! Ah bah oui! Ah bah voilà! On peut totalement bourrer, en fait. He's ok. He's okay. Ah bah oui! Mais le problème, c'est que tu vois... Les gars, ils continuent de persister malgré tout, hein. C'est-à-dire qu'ils font style... ils nous font une De Gaulle, tu vois, ils arrivent, ils font... Ah ouais, ah, je vous ai compris. Tu sais, ah, du coup, ils te mettent ça en début de message, et après, ils te mettent où on les retire, tu vois, mais temporairement. Ça veut dire que, tu vois, d'abord, t'achètes ton jeu, allez-y, venez acheter le jeu, et une fois que vous aurez balancé vos 70 boules, après on vous remettra la quenelle, tu vois. Vous aurez quand même le double effet qui se coule, mais par étapes, tu vois. Pas besoin de vaseline, ça va passer si on y va doucement. C'est ça le message d'hier. C'est pas, oui on a compris, on arrête les conneries et de vous prendre pour des cons. C'est oui on a compris, on a voulu... on a voulu vous la mettre trop rapidement. On va faire ça par étapes.
Bah ouais, bah sûrement. Sûrement. Ce serait... Ouais, si tu veux. C'est malheureux, mais c'est quasiment sûr qu'il va bien se vendre le jeu. Mais moi, ce qui m'inquiète encore plus que ça, tu vois... Enfin, déjà, ça m'inquiète qu'ils se vendent en l'état, malgré tout. Mais ce qui m'inquiète encore plus, c'est que, bah là, c'est comme à l'époque des DLC. Rappelez-vous, les premiers DLC payants. Bon, les premiers DLC gratuits, c'était open bar, donc tout le monde était content, tu vois. Ça a permis de démocratiser un petit peu le concept. Et là, on en vient... On repasse par le même modèle, en fait, parce que... Bah, au début, les lootbox, ah, c'était gratuit, c'était rigolo, tu vois. Même si c'était surtout dans les free-to-play. Après, ça a commencé à être dans les jeux. Après, tu vois, c'était que de l'optionnel, seulement du cosmétique. Rappelez-vous les DLC, ce que c'était au début, quand ça a commencé à être payant ou difficile à obtenir. Voilà, maintenant, on commence à arriver aux lootbox payantes. Là, on arrive aux lootbox... payante qui débloque du contenu in-game et qui avantage les joueurs qui en achètent. Et du coup, bah, là pour l'instant, il y a des gars, ils commencent à y défendre en disant oui, c'est que du cosmétique. Ça, c'est les pros Overwatch en général. T'as aussi ceux qui arrivent. Comment ça? Ah oui, faut se téléporter là. Qui arrivent, qui te disent « Ah ben oui, mais moi je préfère qu'il y ait des lootbox payantes. Comme ça, au moins, il y a tout le contenu du jeu, tu vois, gratuit derrière. Tous les DLC sont gratuits. » Mais, bah, si ça suit la même logique qu'on s'est tapé à l'époque avec les DLC, c'est que, bah, pour l'instant, ouais, ok, les DLC sont gratuits pour justifier la présence des lootbox payantes. Sauf que d'ici 6 mois, 1 an, qu'est-ce qui va se passer? Non seulement on va avoir les lootbox payantes, mais en plus, il va falloir acheter les DLC, les season pass derrière, hein, les gars. Faut pas se leurrer, hein. Faut pas se leurrer. On va totalement se la prendre. Hein. Et ça va être violent, hein. C'est pour ça, faut arrêter les conneries. Là, aujourd'hui, les gens ont l'air... ont l'air de dire que finalement le recul de EA est une semi-victoire, mais bon, en fait rien du tout, c'est comme les DLC à l'époque ou la connexion obligatoire de la Xbox One. Si vous regardez maintenant, que ce soit sur One, PC ou PS4, bientôt Switch hein, sûrement, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est qu'il y a de plus en plus de jeux, solo ou pas, qui te demandent d'être connecté en permanence. Dont certains qui ont des lootbox, tu vois. Donc la quenelle est là quand même, tu vois, mais c'est passé parce que bah, à l'époque, les gars sont arrivés avec la subtilité d'un bulldozer dans un magasin de porcelaine pour que les gens se révoltent et s'indignent et tout ça. Ils ont backdash. L'air de rien, tu vois. Les gens ont eu l'impression d'avoir gagné, puis finalement, ils nous l'ont mis en douce, tu vois. Là, personne dit plus rien sur les jeux à connexion permanente. Plus grand-chose, tu vois. T'as encore quelques vieux cons, comme ceux qui gueulent sur les DLC payants, un peu comme moi, tu vois. Mais sinon, c'est plus une contestation de masse, hein, maintenant. Mais bien sûr, mais c'est complètement fini, maintenant, les... Non, pas un donjon. J'ai pas envie de faire un donjon. Voilà, reste sur le terrain, c'est mieux. Mais 66, c'est pas top. 70. Si tu veux. Il va y avoir moyen de gonfler encore le chiffre. 73. C'est tout. Je suis pas parti assez haut, alors. Alors, attends, là, il me faudrait un truc plus haut. Donjon, terrain. 67. 77. Ah, voilà. On va partir là-dessus. Et du coup, tu vois, c'est drôle parce que. Enfin, c'est drôle. Les gars, ils s'en cachent même pas, quoi. Ils ont tellement honte de rien. Putain, c'est quand même admirable hein, d'avoir autant d'aplomb.
Ah, ils ont des couilles, hein. Ils ont des couilles chez eux. Parce que tu vois, ils auraient pu dire, ouais, non, au backdash, il y aura pas de microtransactions, tu vois, et puis, à 6 mois après, ils auraient pu les remettre. Et personne n'aurait pu rien faire, tu vois. Ils auraient pu faire quoi que ce soit. Parce que, bah, c'est une mage, c'est comme ça, bah, ils débrouillent. Là, les gars, dans leur communiqué d'excuses, ils arrivent, ils disent, ah oui, non, mais, ah, pardon, on va le faire quand même, mais un peu plus tard. C'est tellement beau quand même. C'est tellement beau. En gros, le communiqué, c'est fermez vos gueules, achetez le jeu. Et nous, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut, mais avec nos excuses, tu vois. Mais on fait ce qu'on veut. Ah, putain. Ah ouais, Broforce, il est cool. Hein. Ah, d'ailleurs, je vais sûrement le finir, je sais pas quand. Ah, du coup, pas avec Jim. Mais, bah, soit tout seul, soit avec quelqu'un qui a le jeu. Ou des gens qui ont le jeu, donc on peut y jouer à 4. À 4, ça va être tellement le bordel. Ah bah si t'es dispo, c'est parfait. Pourquoi pas. Après, faudra qu'on cale... un moment pour le faire, quoi. Ça va être ça le plus compliqué. Comme d'habitude. Ah bon, allô? Ah, debout. Ouais, je l'ai sur Steam, le jeu. Pour une fois. Allez, vas-y, on envoie la max. Un bonus de temps 4 secondes. Ah, ça rigole pas. Ah, 23 fois. Oh mon dieu. Ah, ça va faire mal. Ils sont pas tous morts. D'où ils sortent ceux-là? Pourquoi il va bien? Comment ça se fait qu'il a toute sa vie? Ah merde. Ah, Shinekudasai. Ah, enfin les levels 70, ça y est. Alors, ah, du coup, faut aller au sud en fait. Je me suis totalement trompé de chemin, moi. Ok. Attends, la moto! La moto. Pas l'oublier. Et du coup, si hier on approchait de la fin, le jeu il est quand même. Il est quand même court, hein, Broforce. Je le voyais beaucoup plus long que ça. Ok. Parce qu'il me semble en plus que le jeu il est pas donné, tu vois. Ah, cool. Je t'en rajouterai après. Ah, merci bien. Hop. Voilà. Et hop. Oh bah, non. Ah
Mais bien sûr, t'as juste droit à un perso, ouais. Tu m'as vu hier. T'es sûr de ton coup? Ah non, bah le... Déjà le... Mon style de base dans les jeux, bon, il est stylé. Mais en plus là, dans les jeux en 2D avec la... La croix du pad 360... Ah c'est pas bien. C'est tellement pas bien. Ah ouais, 4 ça pourrait être drôle. Mais après faut trouver encore deux gens qui ont le jeu. Ça risque d'être compliqué. Mais ce serait cool. Allez, hop. Je vais bourrer un peu les compétences aussi. Il m'en faut plus. Ouais. Ah, je vais péter le Ragni. Tant pis. Mais il y a une bestiole. Tiens. Allez, énervé. Oh mon dieu. Ah mais il m'a débuff. Mince. Ouais, j'ai perdu du polio. Ah le salaud. Alors attends. Après c'est pas comme si j'en faisais quelque chose du polio. J'en ai tellement rien à foutre en fait. Allez hop. Après Broforce il est souvent dans les Humble Bundle et tout aussi. Ok, voilà, c'est bon. Attends, il y a un truc là. Ouais. Oui, vas-y. Hop, voilà. Ok. Mais c'est dommage, tu vois, qu'ils aient pas mis un téléporteur dans le... Dans le temple. Ça t'éviterait un aller-retour. Ce serait mieux. Enfin bon. Ah, bah des bisous, Ridanos. Ah, merci d'être passé. Ah, du coup, là, on va pouvoir continuer, je pense. Je vais faire un petit instant stuff, et puis on va y aller. Ah, par contre, je vais faire une petite pause vite fait. Ah, je reviens dans 2 minutes.
Re. Hop. Alors attends. Bah non, je suis là. Tout va bien. Tout va bien. La manette, elle est là. Donc, voilà. Ah, c'est bon, on est reparti. Alors, ah du coup, ouais, c'est l'heure du PVP. Ah ça y est, on y est. Pense à sauvegarder. Putain. Heureusement que t'es là. Ah moi, j'allais partir comme ça en mode YOLO. Y a pas d'embrouille. Attends, il faut qu'on revoie aussi l'équipement. À mon avis, il y a du boulot à faire. Va voir l'image que j'ai postée sur ton chat. Ah mon dieu. Ah ouais. Qu'est-ce qui se passe? Star Wars Battlefront 0,9. Ah, bien joué. Bien joué. Mais sinon, ouais, Cuphead, je l'ai fait aussi, du coup. Je l'ai fait en stream. Il me semble que de toute façon le multi n'est qu'en local sur Cuphead. Ah, tu as fini à 400%, oh mon dieu! Ah non, moi je l'ai fini en mode normal. Après. Ah, c'est le MacLéo! Mais bien sûr que c'est ici le stream EDF. Ah mais hier j'ai pas compris. J'ai allumé la lumière, il y a eu un gros flash au niveau de la multiprise. Et tout autour du bouton de la multiprise, c'est tout cramé. Je sais pas ce qu'il y a eu, il y a sûrement eu un coup de surtension qui a fait cramer le truc, mais c'était violent. Du coup ce matin, heureusement j'ai le Leclerc à côté, du coup ce matin j'ai pu passer à Leclerc avant, vite fait, hein. J'en ai racheté une. Mais ouais. Bon, en même temps elle était vieille, donc bon, c'est pas étonnant non plus. Mais... mais bon, bref. Alors attends, ah du coup, 78. Ah, je suis 77. Ça fait chier. Ah, de toute façon, moi, il me faut la grosse épée. 43, non, je m'en fous. 62, c'est ce que j'ai. 60. Ah, 75, pas mal. Ok, et là. Ah, là, j'ai bien des trucs bien aussi, vas-y. Ok, alors attends, du coup, faut personnaliser à ce niveau-là. C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. Riposte de feu. Alors, moi, je prends ça de toute façon. Ok. Et là. Attends, je vais d'abord enlever ceux des équipements que j'avais. Hop, alors on va faire ça proprement. Ah oui, c'est l'épée ardente. Je peux pas y toucher. Voilà. Ah, critique plus 25%, ah, pas mal. Putain, on commence tellement à avoir des bons trucs, là. Ok, voilà. Ah ouais. Parce que du coup, hier, j'avais prévu de faire du Mario Party Top 100. Vu qu'il est sorti aux US, il y a la VF dedans. Alors, du coup, je me suis dit, bon, le jeu, il est un peu pourri, mais ça peut être drôle le temps d'une soirée, tu vois. Mais bon, alors, du coup, je garde pour un peu plus tard. J'ai le Kirby aussi, pareil, sur 3DS. Le Kirby nul, là. Par contre... Impossible de mettre la main sur la maison du style 3. Alors moi, je voulais essayer. Voir ce que c'était. Pourquoi ça se vend, ce machin. Et impossible de mettre la main dessus, par contre. Ah, je sais pas si... si vous savez où le trouver. Ou si vous le connaissez, le nom anglais, peut-être. Peut-être que c'est ça, le problème. Voilà, donc c'est ça. Donc ça, ouais, pour... Ouais.
L'XP, ouais, on s'en fout. Les PO, s'en fout. La vitesse, c'est pas mal. XP plus 25%. Ah ouais. Réduit le temps de rechargement de l'exécuteur de compétences. Ah, ça peut être Warseed, ça. Pourquoi pas? Allez hop! Ok. Alors maintenant, l'autre, viens là. Je te fasse des cadeaux. Donc elle se bat au point. Alors est-ce qu'elle peut l'équiper ça? Level 66, ouais, c'est bon. Donc je peux lui donner. Voilà. Et une bonne armure aussi, des anneaux. Level 75, non, je peux pas l'équiper. Brasero, ceinturon. Terre, ça va, obscurité. T'as qu'à mettre ça. On verra bien. Mais Christina Cordula, quoi? Oh mon dieu! Ah, ça y est, j'ai pas regardé le chat 2 minutes parce que j'étais concentré sur l'équipement, je comprends plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le fuc? Putain, mais elle a qu'une arme level. Une armure level 42? C'est quoi, armure légère? Non mais il doit y avoir mieux chez le marchand. T'es level 72. On va pas te mettre du level 42. Ça veut rien dire. Ah putain. Alors attends. Ça doit être lui, non? Non, ça c'est que les armes. Ah oui. Ah, le bouclier, c'est les armes. Forcément. Ça paraît logique. Alors, level 60 ou 68? Et elle est 66, hein, c'est ça. Enfin, je vérifie quand même. En 72, donc on peut acheter... acheter ça. Ok. Elle est où? Ah, Pyros, il s'est arrêté là. Pourquoi des fois les PNJ mongolisent comme ça? D'un coup, ils s'arrêtent, tu sais pas pourquoi. Alors attends, à son armure, voilà. Ok. Bon, normalement maintenant, on est prêt à y aller. On va sauvegarder quand même. On sait jamais. Ah bah ouais, mais il est jamais trop tôt pour aller dormir. Ok. Allez, on y va. Ah, du coup, faut virer Pyros aussi de l'équipe. Quoique, bon, je peux essayer d'y aller avec. Hein. On sait pas. Ça se trouve, il va venir avec nous. Ce serait bien. Il pourrait faire diversion. Ah. Alors. Hop. Vas-y, dégage. Okay. Mais oui. Allez, on va faire la bataille. J'y crois à fond. Bon, elle a une meilleure armure maintenant. J'en suis où d'ailleurs des... de ça. Je suis level 9. Quand même. Au glaive. Je sais pas ce que c'est le level max. Allez hop. Ah vas-y, j'ai pas peur. Ah mais je peux pas bouger. Ah c'est mieux. C'est... Ah oui, oui. Ah ça change tellement tout. Ah bah ouais, ah c'est plus simple hein. Hop. Mais, ah. Couché. Ouais, elle se fait soigner.
Attends. Voilà. Merde. Ah, j'avais pas vu. Oh, mais c'est pas grave. Elle fait tellement plus de dégâts maintenant. Ah, merde. Oh, putain. La différence de level. Ça change tellement tout. Autant, tu vois, dans... Genre, dans FF15, les niveaux, t'en as rien à foutre. Tellement ça fait aucune différence. Autant là, par contre... T'as intérêt à mettre la max. Elle fait quoi, pipi, là? Ah, endurance. Ça y est, va venir. Ah. あ、さとんと。 ボルドーについてた愛だか。ハセオ、僕の力を君に捧げる。受け止めて。来い、来いよ。俺はここにいる。 Ah, du coup, petit level up. Ah, bah allez. Alors, bah c'est toujours pareil. Oula. Elle m'a l'air solide. Ok. Bon, ça va, ça a pas l'air trop compliqué. Oh!
cycle. Il est easy ce boss. Oh mon dieu. Non c'est bon. En fait tout va bien. Mais du coup je sais pas si... Vaut mieux le... Ah, vaut peut-être mieux le bourrer en fait. Vu ce qu'il lui reste en vie. Voilà. Ah, des bisous, MacLeo. Vas-y. Allez hop. Ah, merci pour le chachet. Moi, je suis un peu de chachet. Je ne sais pas si je suis un peu de chachet. Ah, The World!所詮負け犬は負け犬か。お前が出会ったのは運命ではない。死神だよ、ボルト。君が必要と言ってくれたから、僕はもう一度戦えた。 僕の剣は君のために。 Ah mon dieu. 僕の心も君のために。 君に僕の全てを捧げることを誓うよ。 Ah, et là, les fans de Yaoi sont aux anges. Ça y est. Ils peuvent s'en donner à cœur joie là. Endurance est assez haut. Ah oui. Ah c'est beau. Ah mon dieu. Haseo. Endurance. Kimi no chōnetsu no honou ga boku no kogoeta tamashii o tokashite kureta. Kimi no nukumori ga oshiete kureta. Ah stop! Faut pas aller plus loin! Faut pas aller plus loin! N'en dis pas plus! サク。こいつの長生の仲間になるんか。仲間。長生はそれ以上の人だよ。あ、もんじゅう。エン様が仲間になるんやったら、うちも仲間になったるわ。ああ、trop bien. Ah, ça y est, on a rallié tous les fans de de Lolicon aussi. Ah, c'est génial. Ah, c'est tronche. Usoda. Nakayoku natte zettai usoda. Ma. Kore de nokoru hibun wa 2つ ni natta tte wake ne. Seizei nekubi o kakare nai you ni ki o tsuke nasai, Haseo. Ha? Nani utte nne, oba-han.
いややわ。お姉さんでしょ。秘文使いか。すべての真実をつまびらかにしたいなら、モルガナの発想を集める必要がある。俺、パイ、クーン、エンデュランス、作望、それからアトリ、残る発想絶対に揃えてやる。あー、un rustique fer, génial. Aïda 21. Ouais. J'en fais quoi de ces Aïda ? À quoi ça me sert ? Ah, du coup, faut se déconnecter. Et hop. Ah, je me suis toujours pas occupé de Crimson Versus. Attends, parce que faut en regarder, parce que je pense que la tendance a dû changer. Ça va, c'est pas non plus complètement dégueulasse. Alors attends. C'est où l'historique ? Journal. Ah non, les gars, ils continuent à jouer en précision malgré tout, en fait. Ok. Bah écoute, on va rester comme ça. Si tout va bien. Alors, ah, j'ai des nouveaux amis. En fait, j'ai plein de nouveaux amis. Et Maître N déteste assez haut. Ah merde. Maître N ne sera jamais à toi. Ah, mais t'es foutu, madame. Ah, j'aime beaucoup dessiner et jouer dehors. Et j'aime traîner avec assez haut aussi. Ah, génial. Et du coup, le jeu autorise deux joueurs sur le même perso, alors. C'est officiel. Ok. Personne préfère ACO, oh merde. Adore tout ce que dit ACO, précieux, le temps avec ACO. Ah mon dieu. Ah mon dieu. Ah putain. Ah, c'est tellement goldé. Ah, qu'est-ce qu'elle veut, potiche? Félicitations pour ta victoire au tournoi. Je suppose que Pi ou Endurance serait plus approprié que moi pour le titre. Ah, je te souhaite bonne chance. Ah, génial. Tu veux bien faire une quête? Il y a une quête à la boutique de quête de Doldona appelée Chasse aux champignons. Ah, je me demandais si tu voudrais la faire avec Beau et moi. Ah, je sais que ce n'est pas vraiment le moment de faire des quêtes, mais appelle-moi si ça t'intéresse. Ah bah ouais. Ouais, c'est un partage de compte, mais... Ah, du coup, bah non, même pas, parce que dans le répertoire, il y a les deux noms entre parenthèses. Donc le jeu officialise le fait qu'il y ait deux joueurs sur le même personnage. Donc c'est même plus du partage de compte. C'est complètement que le jeu autorise deux joueurs. Il y a deux cartes différentes et tout. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais... Sur le partage de compte, tu vois, c'est juste que t'as un compte avec un nom et y a plusieurs joueurs dessus. Et là, les deux personnes sont reconnues. Il y avait un topic à propos de Triad sur le forum des rumeurs... du forum de la communauté. J'ai entendu beaucoup de rumeurs sur Triad ces derniers temps. Ah, mais ce ne sont que des rumeurs, non? N'existe pas vraiment, si? En tout cas, j'espère, parce que sinon, oh, j'aurais trop peur pour me reconnecter à The World. Ah. Aussi, ouais. Ah, tous, allons tous voir le forum, évidemment. Et hop. Ah, The World, il est où? Il est là. Ah, par contre, ils auraient pu se passer des faux temps de chargement pour les messages, les forums et tout. Acier nuageux, découverte d'un personnage caché. Ah. Ah voilà, ah oui. Le nom de la zone. D'accord.
Elle m'a eu. De quoi tu parles? J'étais en train de me faire un donjon en solo pour la première fois depuis un moment quand un piquet m'a éliminé et m'a volé mon arme rare. Ah, c'est pas grave. Elle était vraiment jolie. Elle a conquis mon cœur et mon PJ. Oh mon dieu. Elle s'appelle LJ. C'est une manieuse de l'âme. Quelqu'un la connaît? Ah si oui, dites-moi tout ce que vous savez à son sujet. J'imagine qu'il faut plus qu'une élimination pour soigner la bêtise. C'est pas faux. Écoute attentivement parce que je vais pas le répéter. Tu es un imbécile. Ah, une manieuse de l'âme appelée Elugé. Ah ben c'est sans aucun doute la piquée chaotique de Elugé, la maniaque. Et c'est qui? C'est celle contre qui je viens de me battre, non? Ah, je me disais bien que c'était une piquée chaotique. Elle était bien trop mignonne et forte pour être ordinaire. Je vais monter un fan club et partir à sa recherche. Mais arrête! Tout ce que tu vas gagner à la retrouver, c'est te faire éliminer à chaque fois. Bah jusqu'à très récemment, je me faisais harceler par un piquet chaotique, l'avis de quelque chose. Alors je ne comprends pas pourquoi les chaotiques continuent de s'en prendre aux noobs alors qu'ils sont si forts. Ah bah, c'est la version la plus récente, Elugé la maniaque, Ibaku le néfaste, Gerango le néfaste, Suzuki des sept mers, Teru le silencieux, Pokotan la magique et Goriki l'immortel. Ah, j'aimerais bien rencontrer Suzuki. Ah. D'accord. Nom de zone. Ouais. Je suis en train de monter de niveau. J'irai droit au but. Ça commence à être difficile de gagner des niveaux avec des noms de zone actuels. Si quelqu'un avait la gentillesse de partager avec moi des noms de zone de niveau 70-80, ce serait sympa. Ah. Élément lumière, élément obscurité, on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout complètement. Et du coup, c'était quoi qu'il fallait que je voie sur le forum? Il y a encore du nouveau? Ce serait ça? J'ai récemment rencontré une fille super jolie, et de fil en aiguille, j'ai fini par rejoindre sa guilde. Ah! Aujourd'hui, j'aimerais trouver un Yiyi déchu, une baïonnette de pêcheur, pour faire un cadeau. Ouais. D'accord. Ah, tu as rejoint les chevaliers de Nao! Ah mon dieu! Des vers du temps, ouais, si tu veux. Bon, ça, on s'en fout aussi. C'est tous les objets OSEF, ça. Du coup, c'est moi, il n'y a plus rien. Rumeur? Ce serait dans rumeur? Ah, viens, Triedge! Je suis à la tête du projet GU et je voudrais te parler en tête à tête. Ah, bah, ça, c'est encore l'outre abruti. D'accord. Les terres perdues. Regardez. Le grand mystère de The World. Ah. Certains disent qu'elles sont l'héritage de l'épithète du crépuscule, d'autres qu'elles mèneraient à la clé du crépuscule. Cet endroit apparaît subitement avant de disparaître à nouveau. Ça vous dirait de réunir toutes les infos et les rumeurs sur ce lieu dans ce topic? D'accord. Cathédrale de Ulgrand, ce qui dissimule les cieux. Situation officielle, la cathédrale sacrée dans laquelle les humains ont emprisonné la déesse Aurora. Si vous vous y rendez à minuit, heure dans la vie réelle, vous entendrez une fille pleurer. Ceux qui y assistent tomberont dans le coma une semaine après. Si vous ciblez et inspectez la marque sur l'autel, vous serez maudit et votre veau réel finira par être piqué par Triedge. D'accord. La terre des origines. L'arche Coen. Le lieu où un jeune clerc a invoqué les dieux lorsque les humains affrontaient le pouvoir de l'ombre. En utilisant un objet spécial, vous dévoilerez un nouveau chemin qui mène au temple derrière la cascade. Ouais, le dernier portail. Le portail géant qui empêche d'accéder aux cieux, protégé par le dieu de la loi Fol 7. À la clé du crépuscule, ouvre le portail. De l'autre côté se trouve le dieu de The World, qui réalise le vœu de celui qui lui apportera la clé.
l'île des rois, Yggdrasil, le paradis éternel. Nous ne zone aucun, elle se trouve dans ma canoë, mais vous ne pouvez y aller que pour la fête en l'honneur du nouvel empereur de la reine. Une île artificielle créée par les humains qui ont remporté la victoire contre les dieux. Les joueurs qui deviennent empereurs de la reine peuvent y obtenir une compétence réservée à l'empereur délivrée par CC Corporation. Ah, je l'ai pas eu. Capitale gémissante Waldüberlichterrain. Ah, la flamme éphémère. La terre des morts située sous le lac Dingdiglut-Lug. On y trouve le château de Cernunnos, le seigneur des morts. Si vous y allez à 4h44 et 44 secondes du matin, heure dans la vie réelle, vous entendrez un chat miauler. Et si vous ne quittez pas la zone en moins de 4 secondes, vous tomberez dans le coma dans la vie réelle. C'est une vieille rumeur, mais je préfère la mettre au cas où. D'accord. Champ de bataille de Coitbodaur, la somptueuse mâchoire. Le lieu Magmeld, le dragon combattant, elle s'est battue contre les hommes lors de la guerre entre les humains les dieux après avoir été changés en pierre et enfermés par les humains. Ils flottent désormais dans les tréfonds de la zone. En utilisant un objet spécial, vous pourrez visiter la ville derrière Magmeld. D'accord. La forêt étincelante. L'entrée de la terre des morts, Fladogd, l'arbre géant et pur, empêche Cernunnos, le seigneur des morts, de s'élever contre le monde des vivants. Si vous regardez votre reflet dans le lac souterrain lors d'une pleine lune dans le monde réel, vous verrez votre vrai visage au lieu de celui de votre personnage. Ah mon dieu! À toutes ces rumeurs. Et du coup, pourquoi j'ai regardé ça? J'en ai rien à foutre. Qu'est-ce qu'il a voulu me dire, Gasuparu? Ah, t'as déconné, mon gars? Tu m'as fait perdre mon temps? Faut que j'aille visiter les zones une par une, c'est ça? Hop. Alors, est-ce que je peux y aller avec d'autres gars? Je vais voir. Ah, de toute façon, il va y avoir personne de connecté, ouais, comme d'hab. Manoir en sucre de Sivberg. Manoir en sucre? Mais qui ferait ça? Oh, dès qu'il pleut, ça doit être la PLS. Piroshi-san no yatsu wa kono saki ka? ぬけぬけとやってきたな、トライエッジ。ここであったが100年目、神妙にお縄を頂戴しろ。いや、あのな。ふん。悪党に名乗る名前はないわ。ちゃ。翼の折れた嵐のように、青きドンテンのイーグルマン、ピロシさん。 いや、失敗失敗。てっきりトライエッジが現れたものと。あんた、まだトライエッジを追ってるのか。ふむ。まあ、例え話として聞いてほしいのだが、ある、ゲーム会社に一人のグラフィッカーがいたと考えてくれ。その男は自分のグラフィックに絶対の自信を持っていた。 あの、自社のネットゲームにログインして自分が担当したグラフィックを堪能していた。あのさ。
ところがある日、男は信じられないものを目にする。だからさ、自分の作成した超流麗千円究極グラフィックに醜い三角形の傷跡が刻み込まれていたのだ。なんという冒涜、なんという暴挙。復讐の鬼と化した彼は。その話全部聞いた。あれ、前にも言ったけど、トラエッジはあんたの手には負えない。追うのやめろ、命に関わるぞ。私はグラフィックに命をかけている。奴を捕まえるまで止まらないぞ。私はってカミングアウトしてるじゃん。いざ予感、憎きトライエッジをやっつけに。旅路の果てまでも頭上に星々の輝きのあらんことを。ジュバッチ。Un gros perso quand même. Ah, fit ça. C'est tout ce qu'on a à faire là. Il y a tellement des zones qui servent à rien. Il y a quoi là-bas? On peut même pas y aller en fait. Bah allez. Bah, qu'est-ce qu'on fait? J'ai reçu des messages, c'est ça? Ah, un message non. Et bah allez. Ah mon dieu, Astéo. Ouais, on va s'entraîner. Allez hop. Nande, ça rigole pas. Demo, mouche sur ton ato ga mendo so da na. Faut que je me fasse une raison. On n'aura jamais une équipe charismatique. Allez, vas-y. Ah, le retour de l'entraînement. Équipe. Un Saku. Et tu vois, Saku, elle est en ligne. Et Bo, elle est hors ligne. C'est quoi ces artworks d'ailleurs? Bizarre. On dirait pas que c'est le même perso. Ah oui! Partons ensemble explorer le monde immortel. Ah! Il est level 69. Hein. Moi je dis ça, je dis rien. Mais je crois pas que ce soit une coïncidence. Alors, ah vas-y, level 74, pff. Ils appellent ça de l'entraînement, eux. Ah mon dieu. Cette area de mission est boss tombats. Bah ouais, mais d'un autre côté, c'est le même perso. C'est ça qui est bizarre. Tu vois, c'est le même compte, c'est le même perso, mais il y a deux artworks différents par contre. Et il y a deux propriétaires derrière. Éteint avec ou sans nuage? Oh merde. Ah, faudra que je teste cette technique de drague un jour dans... à quelque part. Tu sais, t'arrives vers une fille, tu lui fais eh, t'aimes les nuages? Et puis, tu vois, peu importe qu'elle te réponde oui ou non, tu lui dis moi aussi, on est fait l'un pour l'autre.
Ah, je suis sûr ça marche. Ah, faudra essayer. Faudra essayer. Voilà. Toi aussi, apprends à draguer avec Dotak. Oh putain. Allez hop! Ah mais c'est bon, il est mort! Ok. Alors, ouais, du coup, on va pas faire. Ah, faut juste tuer le boss. Alors, s'il faut tuer le boss, on peut foncer direct au téléporteur en fait. Donc là, faudra prendre le pont. Non. Faut aller au nord. Oh, faut faire encore tout le tour de la map. Ça va être chiant. Voilà. Non, mais j'étais loin. Oh. Mais ces machins, ils sont toujours aussi dégueulasses. Ah, du coup, est-ce que quelqu'un sait si le Lego Marvel Super Heroes, est-ce qu'on peut jouer à plusieurs online? Parce que du coup, je me le suis procuré. Ah, je pense qu'on va y jouer cet après-midi. Mais je sais pas s'il y a un mode multi. Alors, attends. Prendre le pont. Ok, et après. Là-bas. C'est bon, j'en ai 70. Ça va. Pas besoin d'en chercher. Ah, t'as pas essayé. Enfin, c'est pas grave. Ce sera la surprise. Alors, attends. Alors, le boss, c'est là. Est-ce que ça, c'est l'avant ou l'arrière? Ça a l'air d'être l'avant, ça. Alors, du coup, on va essayer de le prendre par là. Voilà. Il va pas faire mon feu, ce boss. Ah zut. Ouais. Ah, il s'est fait exploser. Ah, le loser. Ah merde. Le gars est suicide. とても素敵だったよ。あ、génial。邪魔ばっかりしくさって。後で覚えとき。どっと疲れた。そろそろ帰ろう。え、hop. Ah, du coup, j'ai même pas regardé avec quoi il se battait. Attends. Wow. Bon, elle, c'est une mage normale. Et elle, c'est un... Enfin, lui, c'est un katana, du coup. C'est Shinpachi, le retour.
Mais avec un avatar. Allez hop. Ah bon, un match pour le titre. Ah oui, c'est vrai. On voulait combattre Sirius. Ah, ça y est, on peut y aller. Yoyo Tenrou to taisen da. Pai to Endurance o sasotte touroku shio. Ah, je vais sauvegarder. Attends, je sauvegarde maintenant parce que je serai capable d'oublier. Voilà. Ah, de toute façon, je suis level 77. Ça va, tout va bien. Ah, le chef, le 7, c'est un chiffre porte-bonheur, normalement. Donc tout va bien. Ils ok. Oui, j'ai compris. GG. T'as sauvegardé? GG. Ok, et pipi. Voilà. Là. Alors, il va être niveau combien? J'en sais tellement rien. Est-ce que Shinpachi peut healer? Ce serait dans quoi? Statue? Non, ça a pas l'air d'être là. Si. Et donc... Non, c'est pas ça. J'ai toujours pas de nouvelles compétences à l'épée. Ah si, j'en ai une, broyeur d'os. Ah, faut que je l'équipe. Attaque tournoyante. Ok, donc c'est une attaque de zone. Ah ouais. Faut que j'utilise ça. Voilà, et du coup, compétence. Ah voilà. Donc lui, il a rien. Ok, et elle, elle a rien non plus. Haseo-san. Ah, Potish, t'es jalouse? Tenrou-san to... Ie, Aida to tatakau ndesu ne? Ah. Ano, Haseo-san, yappari watashi ga shiai ni denakya. Mata. 何言い出すんだ。私が秘分を奪われてから、アイダの勢いは増すばかりです。陽光さんや天狼さん、未帰還者になった人たち。私のせいで、みんなが苦しんでます。私が秘分を奪われなければ、ポルゾーさんもあんなことには。だから、それはお前のせいじゃない。私が何とかしなくちゃいけないんです。他人任せにしちゃいけないんです。 いいこと、お嬢さん。これから戦う天狼は、アイダに感染している。非分使いは無敵じゃない。もし負ければ、ハセオだって無事でいられるか。わかる？戦力的に見ても、アバターが使える私とエンデュランスが適任なの。じゃあ、私は一体どうすれば？なら、 俺が代わりを務めるよ。クーン。アトリちゃん、君の代わりに俺が出る。クーンさん。俺に任せて。俺が君の剣になる。君の代わりにハセオの後ろを守ってやるよ。お前、自由を見限ったんじゃなかったのか。そのつもりだったけどさ、 か弱い女性が窮地に赴くのを黙って見てられなくてね。ほら、俺って紳士だから。か弱い？うちのどこにか弱い女がいるんだ。あなたね。正直言うとさ、俺はやたや CC 社の方針には今でも納得してない。でも、
だからってあそこを飛び出したところで何も変わらないんだ。戦って戦って一刻も早くザ・ワールドを安全なネットゲームに戻す。そうするしかないんだって。そのためにハセ、俺はお前にかけてみることにした。俺はな、ハセオ、お前のことをずっと身勝手な奴だと思っていた。ああ、でもお前が本当に思いやりのない奴ならシラバスとガスパーがあんなにお前を慕うはずがない。今のお前ならアイダを打破する力と優しさを合わせ持つことができるかもしれない。だから俺の力をお前に託す。クーン、なーに、ここに来て男の友情パワーってことだから。はい、悪いけど。テコでも動かないって顔ね。いいわよ、か弱い女性はサポートに回るから。ありがとう。はい、その代わり必ず勝つこと。いいわね。もちろんだ。そしてアトリちゃんを直す。 Mais il a fait du level up lui. そうだ、アトリを直すんだ。アトリがもう一度この世界で笑っていられるように。クーンとエンディランスを誘ってアリーナカウンター。Ah mon dieu, est-ce qu'il est prêt? Occupé. Ah, du coup j'ai pas le choix. Level 71, ah c'est bon, il a fait du level up quand même. Ok. Mais est-ce que t'es bien stuffé aussi? Ça par contre, j'ai un gros doute. Level 66, ouais vas-y. Voilà. Après, niveau armure. Tu mets ça toi. Level 42, ah ouais. Bon bah écoute. Pourquoi pas. Et en termes de bagues. Allez hop. Voilà. Alors. Ah y a l'air d'y avoir un point de sauvegarde là-bas. Je vais y aller vite fait. Et on y va. Je suis pas serein. Quand il y a un perso qui arrive comme ça, qui fait coucou c'est moi en général, c'est que ça sent les embrouilles. Mais si le level 71, c'est que j'ai le niveau. Donc, is ok. Parce qu'il me donnerait pas un perso low tier quand même. Ils me l'ont donné au niveau, forcément. Ils ont pas fait les cons. Hein. この戦い。ハセオには負けてほしい。あ、ce perso à droite。あ、merde。あ、c'était trop。エン様、うちはどないしたらええねん。Qu'est-ce qu'elle fait ? Pourquoi tu clignotes, madame ? ここは。Ah, t'as vu, c'est le même perso。ハセオ兄ちゃん。榊さん。天道、それは全天で最も輝く星。青き狼が吠える時、大地は震え、舞台に衝撃が走る。今宵我々は知るだろう、チャンピオンという言葉の重み。ハセオ選手、エンデュランス選手、そしてクーン選手、メンバーを入れ替えてまいりました。エンデュランスはブレイド、クーンはスチームガンナー。随分攻撃的布陣だな。挑戦者はもはや生贄の子羊か。チャンピオン天狼チーム入場だ。Level 79。あ、putain, il faut chier。あ、mais il a les autres derrière。En plus。
不気味さでは負けていません。天狼のやつ、何に取りつかれやがった。奇想が浮かんでやがるぜ。お前らもあれを奪いに来たんだな。あれは俺のだ。俺の俺の。ち、完全に行っちまってやがる。対話にはなりそうもないな。愛だわ。人の強い情念に惹かれる。それがプラスであれマイナスであれね。そして人の思いを増幅する。理性のタガを外してしまうんだろうね。天狼のチャンピオンへの強い執着がアイダを呼び寄せたんだ。よし、行くぜ。あー、あれ、あつ無影戦だ。無影戦だ。Laisse-moi tranquille. Attends. Voilà. Ah, je crois qu'on est en train de se prendre une dérouillée. テンドのパラメータが普通じゃねえ。間の影響か。あの羽男と裸男もなんか変だ。ダメージを与えている気がしない。まるで蜃気楼を追っているみたいに。ハセオ、ヤタ様からモニターの結果が来たわ。天狼チームの仲間2人、ID が確認できないそうよ。じゃあこいつらも感染者。いえ、というより PC としての実態がないの。まるで幻みたいに。簡単に言うと、つまりあの二人は不死身よ。簡単すぎるんだよ。さてどうする。どうするったって、一か八かだ。みんな天狼を狙うぞ。分かったよ、ハセオ。分かったって、そんな。天狼を集中攻撃だ。あいつまで幻ってことはねえだろう。よし、羽男と裸男は無視だな。行くぞ。C'est ce que je faisais déjà。無影戦だ。発覚しろ、発覚しろ。Allô？Et pourquoi ça n'a pas marché? Quoi? Éveil divin? Mais j'ai rien fait. Ah mais c'est eux! Ah mon dieu! Ah du coup c'est complètement scripté. Je crois qu'ils vont avoir mal. Aïe!Non mais casse-toi! Oh putain! Ok, ah, ça va. S'il abuse des compétences comme ça, je peux le bourrer au contre-attaque. Ok. Ah mon dieu, ils font! Oh, c'est une baleine de free to play. Il va acheter Battlefront 2.
いいぜ、来い、来いよ。俺はここにいる。Alors on va tuer la baleine. Ah bah ouais. Allez hop. Oula. Ce poisson quoi. Eh oh. Ah mais c'est Hélène et les garçons. Je l'avais pas reconnu. Il n'y a pas besoin d'esquiver. L'esquive, c'est pour les noobs. C'est gratuit ce boss. Ouais, ça va marcher. Hop. Ah, ça marche toujours bien, du coup. Ouais. Ah là. あとはこちらに任せてちょうだい。お嬢さんの PC へ誘導するわ。Et la Sakaki va arriver, il va la choper. これで、アトリは。Ah, moi j'attends le plot. Là, il faut du plot. これはトライエッジの。
んだかよくわかりませんか。J'ai rien compris. やりました。長谷尾選手、またしてもチャンピオンの座をもぎ取った。巨星オツ。天狼選手、ついに今がっくりと舞台に手をつきました。ここに碧星級の新たな王者が誕生しました。我々がその歴史の証人です。今青い光から現れた二人が天狼と組んでいたアイダを倒したね。しかも同じ姿をしていた。天狼と組んでいた羽男と裸男はアイダが生んだ偽物だったってことか。本物の羽男と裸男はトライエッジの仲間ってことは、トライエッジはアイダじゃない。でもあいつらがアイダと敵対してるとしたら、トライエッジはどうして死の。長谷尾君が勝ったようだね。はい、榊さん。Parce que Shino était une imitation de Potiche. Ya, しかし見事な戦いぶりでした。まさにタイトルマッチと呼ぶにふさわしい白熱のバトル。長谷尾チーム、メキメキと腕を上げていますね。これは師匠としても鼻が高いんじゃないですか、タイカさん。って、いないし。タイカ様、あ、どこですか。え、満足したから帰るって、そんなウィスパーもらっても。どうして解説役はこんなバカなんだ。あ、c'est compliqué d'être le Ken Bogard。坊主。Ah, il faut savoir meubler tout seul, c'est important。Ah, bah, il est là lui aussi, oh mon dieu。強くなれ、長谷尾。俺のため、そしてシノのためにも。俺は長谷尾か。よ、お目覚めの気分はどうだ。俺は、俺は。お前、どうして間にあの羽男や裸男と組んだんだ。俺はいつも恐れていたのだ、碧星級の王座を奪われること。Tu le vois pas partir, c'est ça. そう思うと怖くてならなかった。だから、そんな君の弱さがアイダのつけいる隙を生んだ。俺は力が欲しかったのだ。誰にも侵されざる力、すべてを下す力。そう、あれは与えてくれた俺に力を、あふれんばかりの力を。いい加減目を覚ませ。お前がそんなんじゃ、陽光が。陽子が、陽子がどうしたのだ。陽子は犠牲になったよ。君を救おうとして、君の言う力に PK された。 PC は消滅し、リアルでも意識不明に。エンデュランス。陽子が、あの力に。すごいよ、長谷お兄ちゃん。おめでとう。ボウ、ありがとな。天狼を操っていたのは
お嬢さんの碑文と結合した愛だよ。お嬢さんの碑文は枠乱の蜃気楼、アバター名はイニス。蜃気楼？じゃあもしかしてあの不死身の二人は。文字通り幻というわけだね。つまりアトリの碑文を奪ったアイダがその力を利用したってことか。おそらくは。それにしても後から現れた二人組は何者なのかしら。私たち碑文使い以外にアイダを駆除できる存在がいるなんて。そういえばアイダサーバーであいつらと会った時もやっぱりトライエッジと一緒だった。トライエッジの仲間か。でもだったらなぜトライエッジはシノを襲ったんだ。奴らの目的は何だ。その点については調査が必要ね。トライエッジの正体を含めて。なあ、どうしたんだい長谷尾。俺たちは何か勘違いしてるんじゃねえか。勘違い？どういうこと？わかんねえ。だけど俺たちのしていることって本当に正しいのか。そういうことは関係ないよ。君が救ってくれたから僕はここにいる。それだけで十分さ。今さら迷っても始まらねえけど。あ、めやだ。それじゃあまたね。バイバイお兄ちゃん。大丈夫さ、長谷尾。俺たちは俺たちにできることを精一杯諦めずにやればいいんだ。頑張ってれば結果は黙っててもついてくるだろ。だよな。とにかく今は。長谷尾さん、クーンさん、パイさんも。アトリ、お前どうやら回復したみたいだね。はい、試合が終わったらひびが綺麗に治って、腕の麻痺も。本当にありがとうございました。皆さんおめでとう、長谷尾君。榊、あ、待てよ。お邪魔だったかな。何しに来た。そんなに牙を剥くな、死の恐怖。ただ一言礼をと思っただけだ。アトリを直してくれてありがとうと。では私はこれで行くよ、アトリ。あ、はい。あの、では私もこれで。え、アトリちゃんも行っちゃうの？月の木のお仕事があるんです。それでは。おい、いいのか、長谷尾。Aïe. Ah, nouveau glaive. Eden, nouveau message, évidemment. Alors attends, je peux voir le glaive. Ah, je peux pas l'équiper. 80. Ah ouais, quand même. Ok. Ah bah écoute, on va aller voir les messages, comme d'habitude. Hop. Philo, c'est qui celui-là? On connaît lui? Ah oui, mais je me rappelle de lui. Je parie qu'il est surpris de recevoir un email de ma part, vu que je suis censé être mort. J'ai quelque chose à te donner. J'attendrai à transmis insatiable mystère. Ah mon dieu! Pourquoi Philo a un mail? D'autre. Ah, il est Philo. Vraiment, Philo est-ce?シータサーバー、異性なる暴食の費用だな。It's a trap!
Je peux y aller avec des gens. Ah, du coup, lui, je crois qu'il était dans l'animé. Je crois pas qu'on l'ait vu dans le jeu, en fait. Parce que c'est au tout début qu'on le voit, lui. Il me donne des conseils, tout ça. Je crois, hein. Bah ouais, maintenant faut qu'on sauve Tsundere. Mais du coup, pour sauver Tsundere, va falloir qu'on scoltine la potiche. J'en ai bien peur. Ah, ils sont tous en ligne. Ah, sauf la potiche. Alors, 71. 65, putain, les... Moi, je veux Tsundere, bordel de merde. Rendez-la-moi. Ah, on peut inviter l'une ou l'autre. Voilà. Et hop. 75, ouais. Easy. Qu'est-ce que tu veux savoir? Si tu veux le savoir, viens me voir dans cette zone. Bah, je suis là. Et alors? Ah, j'imagine qu'il faut que je récupère tous les coffres. Allez, c'est parti. UPS me livre pas, ah merde. Bah, ils étaient venus à quelle heure la dernière fois? C'était bien toi qui attendais UPS. Ils vont repasser vers la même heure, hein, sûrement. Eh oh! Du calme! Oh mon dieu. Attends, ah, je lui ai pété son armure à lui. Voilà. Ah, je me suis trompé de gars. Ouais, mais du coup UPS c'est pas la poste. Donc ce sera plutôt 14h. Okay. Ah, surtout pas. Non, UPS, ils appellent pas forcément. Moi, ils m'appellent. Je me trouve au sud-est d'ici. Donc tout au bout, quoi. Le gars bien relou. Oh merde. Putain. Ah, cette moto. Attends, descendre là, ce sera plus simple. Voilà. Je me trouve à l'est d'ici. Oui, bah je sais. J'arrive. Puis 5h20, ils sont à côté de chez moi. Si tu veux le savoir, ouvre ton cœur. Oh mon dieu! Si tu le fais, tu commenceras à voir des choses qui t'étaient invisibles auparavant. Ouais. Vas-y, j'ouvre mon cœur. Voici une clé d'aulne. Elle se trouve dans les donjons et les terrains. Après en avoir obtenu un certain nombre, tu pourras déverrouiller des armes perdues scellées. Cet objet va être placé dans tes objets clés. D'accord, donc ça se récupère de manière random. Ça va être chiant, ça. Alors, tu as compris? Ceci est une clé d'aulne, la guilde du temple qui se trouve au bout de ce monde. Ah, le guide! Ouais. 5 clés d'aulne sommeillent dans cette zone. Trouve les 4 autres. Ah, ça va être chiant! Ah, du coup, je peux pas le faire en moto. Ouais. Bah, moi, il m'appelle jamais UPS parce que bah c'est pas compliqué à trouver, tu vois. Donc, ça va. Est-ce que je fais les combats? Ça pourrait les permettre de level up un peu.
meuf là. Et du coup pour Xenoblade j'ai pas pris de risque. Je l'ai pris en... Je vais le prendre sur l'eShop. Comme ça moi je suis sûr de l'avoir en Day One. Et d'ailleurs, faut surveiller un truc. Il faut surveiller le... Si tu veux avoir le jeu moins cher sur l'eShop. Parce qu'il est, il est pas... La version eShop est pas dispo sur Amazon, tu vois, comme Mario Odyssey. Ah du coup, ce qu'il faut faire, c'est regarder sur l'eShop d'Afrique du Sud. Voir s'il y a, il y a le français pour Xenoblade. Non ! Je me suis trompé. Ah le con. Je me suis trompé. Tu regardes parce que les, le jeu il a 40 balles. Il a 39 au lieu de 60. Tu l'auras un jour en avance. Bah ouais. Mais pff. Qu'est-ce que t'en as à foutre ? Bon. J'espère qu'ils y sont toujours. Alors attends. Mais tu crois que ceux que j'ai ramassés, ils sont encore ramassés ou comment ça se passe ? Ah, je vais. Je vais faire les coffres aussi. Ah, je suis pas là. Ouais, le collector. C'est moi, attends. Tant qu'il y a le jeu dedans, j'en ai tellement rien à cirer. Parce que finalement, à manette en main, on aura la même expérience. Ah, sauf que, bah, tu vois, moi je l'aurais payé 40 balles. Toi, tu l'auras payé, je sais pas, 90 boules. Je dis ça au pif. Je sais pas combien il est le collector. Mais. Ah, pour moi, la différence de prix, elle est tellement énorme pour pas grand chose. Allez hop. On nettoie tout. Il y a quoi dans le collector d'ailleurs de Xenoblade 2? Je sais même pas. J'imagine qu'il y a un artbook, une grosse boîte en carton, et après, peut-être un CD avec trois morceaux du jeu, de la BO. Alors attends, faudrait aller voir en haut là du coup. Non, en haut j'y suis déjà allé. Plutôt, plutôt par là-bas. Ah, il y a l'image. Ah, super. Alors... Ouais, il y a toujours la grosse boîte en carton. L'artbook. Ah, un steelbook, voilà, pour avoir une boîte en acier que tu regarderas jamais. Vu que... vu que, bah, si tu fais comme tout le monde, tes jeux, tu les ranges un peu comme des livres. Donc, du coup, t'as juste la tranche qui est visible. Et c'est tout. D'accord. Et il s'est vendu combien ? Il n'y a pas le prix. Non, c'est pas marqué là non plus. On sait pas. Hop. Mais du coup, ouais, moi... Parce que du coup, les artbooks, tu vois, je veux jamais les regarder parce que souvent, ça spoil le contenu du jeu. Et du coup, bah après, une fois que j'ai fini le jeu, bah... Oh, voilà, j'ai pas envie. 95 euros! Ah ouais, non, c'est pas bien, hein. C'est pas bien. Ah, l'angoisse! 120 chez Micromania. Ah
Ah merde. Il y a vraiment des gens qui ont trop de pognon. Attends, peut-être derrière il y en a un. Non, ça a pas l'air. Allez hop. Ah mais j'ai la sous-terre, vas-y, allez hop. Ah voilà. Ouais bah si c'est cool de ton cadeau d'anime, ça va. De toute façon, tu fais ce que tu veux de tes sous. Moi j'ai rien à dire. Moi je trouve ça excessif, après si les gens aiment bien et c'est leur trip, j'ai pas de problème avec ça. Au contraire, tu vois, si derrière ça peut éviter de... Si les gens achètent ça, ça peut nous éviter de nous retrouver avec des season pass à 70 boules, tant mieux. Mais bon. Ah là c'est même plus le cas maintenant. T'as quand même le season pass de l'angoisse. Bon, enfin bon. Ah, voilà, quand même. Ah, je peux les choper avec la moto. Mais il va me voir. Voilà. Ah, c'est ton premier Xenoblade. Mais il faut faire les autres avant. Enfin, surtout le premier, il est facilement trouvable. Même. Enfin, surtout si t'as un PC. Sur PC c'est même mieux parce que tu te mets le patch de texture HD mon gars. C'est tellement bien. Ça change tellement la vie. Ok. Voilà. Oh, je peux aller choper le trésor. Du coup je reprends le pont. Tu sais, j'ai tout fait en fait. Non, je sais pas trop. Je crois que j'ai tout fait. Du coup, peut-être que le dernier, il est dans le temple. On va regarder. Le pad Xbox One, ça marche pas? Ah bon? Comment ça se fait? J'en sais rien, j'en ai pas. Moi, j'ai qu'un pad 360. Avec le pad 360, ça marche bien. Oh, Pierre, tu peux toujours utiliser un logiciel tiers pour faire passer ta manette pour une manette de 360, voire PS4. Ça doit bien exister. Là, ça doit marcher. Alors, putain, il est où le dernier? Il n'y a personne. Alors, attends. Oui, non. Ça n'a pas l'air d'être ça. Voilà. Alors attends, du coup, là j'ai fait toute la largeur. En haut, c'est fait. Non, mais j'ai dû oublier de faire l'est alors. Ce serait ça. Ah ouais. Voilà. Ah ouais, ah bah on va le faire. Ah bah il y en a encore un. Oui. Tu peux maintenant briser le saut de la première phase. Quoi? Apparemment tu as trouvé les 5 clés d'Aulne. Je vais t'envoyer un email. Lis-le depuis ton bureau. D'accord. Bah écoute, s'il veut, tu verras des loups qui se coupent les veines. Oh mon dieu, c'est quoi ton jeu? C'est très bizarre. Ça m'a... ça m'a l'air très bizarre. D'un coup, je suis plus trop sûr d'avoir envie de le faire. Alors...
Ouais, tu as trouvé les clés d'Aulne. Elles te mèneront à un temple tout au bout de ce monde, et assez haut. Elles te permettront de débloquer le pouvoir caché en toi et dans ton personnage. Tu auras besoin de ces mots de la fin. Caché interdit sacrement, rends-toi au grand temple de Kaerlon Mebd. Kaerlon Mebd Daishinden. Qu'est-ce que c'est ? Philo est là ? Attends de questions. Ah, du coup, peut-être que ça, c'est le plot final du volume 2. Je sais pas. On se rapproche peut-être doucement. On va apprendre qu'en fait, on est une grosse raclure. Ah, du coup, faut que j'y aille avec des amis ou pas? Ah, ils sont en ligne. Ah, du coup, je vais inviter des gens. Un gars sous parou. Gassou Parou, j'ai pas envie. Oh, elle, elle m'aime bien. Voilà, faut que l'autre conne là, elle m'aime aussi. Vas-y, viens. Gassou Parou. Ah bah cool, tiens, vas-y. Voilà. Mais ouais, Tsundere, là. Faut vite qu'elle revienne. Oh, Philo. Oh. Ah mon Dieu. Tu feras gaffe, ta queue passe à travers le sol. このフィロ、プレイヤーがいねえ。空っぽだ。フィロの遺言だ。おめえさんへのな。大化のおっさん。わしは亡くなったフィロのプレイヤーに彼の PC とメッセージを託されていた。おっさん、フィロと知り合いだったのか。Ah oui, il y a des vrais joueurs qui meurent. Omae mo shitteru youni, Hiro wa monoshiri na jii-san datta. Yuigon dōri, Omae ni watashita zo. Hassou no hiseki, Lost Weapon. Oh? Ato wa kono te no yatsu wa, Omae no hou ga kuwashii n janai ka? Ore, Hiro no PC no oku ni aru buki.ロストウェポンを取ってみろよ。あ、まあ、allez! Les armes perdues incarnent le pouvoir perdu des utilisateurs d'Epitate. Pour obtenir ces armes, il faudra que tu offres des clés d'aulne pour briser les sceaux et vaincre les bêtes du sceau à qui protègent les armes. Ah, je ferais pas mieux d'aller sauvegarder là? Ah, moi je me méfie maintenant. Voilà, en plus on a pas potiche. Ah du coup on sait pas. Ah bah non, ah moi Tsundere je la veux en tant qu'allié, pas en tant qu'arme. Ah, c'est nul. フィロの遺言だ。ここにあるロストウェポンを得るには必要な数のアドラの鍵を祭壇に捧げ同時に力を示さなきゃなんねえと。何が起きるかわかんねえな。準備ができたら始めるんだ。あ、わし、オッケー。5 clés, ouais, vas-y. Ah, ça les consomme, en plus. Un bête du sceau niveau 75, ouais, c'est bon. Une fois le combat commencé, tu ne pourras plus abandonner. Tu devrais vraiment sauvegarder avant.
Un connard. Mais oui, je suis prêt. Ça va, c'est pas non plus du 1 contre 1. Attends. Hop. Pourquoi il clignote? T'as pas vu le nom du boss? Non. C'est quoi? Mangeur de mort? Oh merde, mais c'est dégueulasse! C'est complètement dégueulasse! Ah, il vient d'Harry Potter, lui, non? Dans Harry Potter, les mange-morts, je crois. Non, c'est pas ça. Oh, non, fais pas ça. Ouais. C'est bien les compétences, parce que ça peut interrompre les magies et tout des mobs. Tu peux tellement en abuser. Trop tard. Ah, du coup, même si tu fais pas beaucoup de dégâts, c'est pas grave. Donc. Allez, hop. Ça, j'en ai complètement abusé dans le boss optionnel du premier volume. Comment ça, je t'ai fait rire? Mais non. Je suis toujours extrêmement sérieux. Vas-y, la super! Comment ça, plus une seconde? Oh, elle même pas. Un bonus 4 secondes. Ah, vas-y! Vas-y! Ah oui! À 25, pas mal. C'est-à-dire que tu peux aller jusqu'à 100 potentiellement. Grosso modo. Ah mon dieu. Ah mais t'as plus de PV, allez hop. Voilà, c'est bon. Ah non? Ah, il s'est soigné? Il a tout soigné. Non, c'est celui qui a aucune des PV. Ah, faut se calmer, monsieur. Ah merde, mais il se soigne ce con! Ah, j'aurais tellement dû garder la furie pour quand il avait plus de PV. Parce que là, s'il passe sa vie à se soigner, ça va être chiant. Okay. Allez. Ah, je crois peut-être mieux de passer à la faux. En fait. Vas-y, on va essayer. Ouais, ça a pas l'air d'être fou non plus. Ouais. Allez, meurs! Voilà, c'est bon. Ah ouais. Mais t'imagines, n'empêche, le boss ultime, finalement, ce serait un healer, en fait.
Le gars, il passe sa vie à se soigner. C'est bon, il est safe. À la mort imminente, non, j'en veux pas. je veux pas de la mort imminente, moi. Je préfère la vie. C'est mieux. Ah, c'est beau. Un nouveau message. D'accord. Il faut quoi pour les autres? Bâton de la deuxième phase, 10 clés. Et du coup, tu les récupères forcément dans l'ordre. 15 clés, baïonnette. Et à chaque fois, faut en récupérer de plus en plus. Ah mon dieu. 50 clés, what the fuck. Un éventail. Ah merde, mais en fait il y a 40 armes là. Un grimoire, 30 clés. 25 clés pour la 6ème phase, ouais. J'imagine que c'est optionnel ça, t'es pas obligé de tout faire. 20 clés. Ah oui, y'a rien. Ok. Onze messages. Attends, il faut que j'équipe ma nouvelle faux. Mort imminente. Destruction de l'âme. Ça monte à 111 hein, quand même. Attaque chargée. Du coup, elle est légèrement plus puissante que mon épée. C'est quoi destruction d'âme? Info. Absorbe 25% des dégâts d'une attaque normale pour restaurer les PV. Ah, et les PC. Oh. A 50% de chance de s'activer par attaque. Effet inactif si la différence de niveau avec l'ennemi est trop importante. D'accord. Ah, c'est cool. C'est cool quand même. Eh ben allez, on va lire nos 11 messages. Oh, faut aimer la lecture quand même. Putain, le gars qui aime pas lire, c'est compliqué. Ah mon dieu, ça fait peur. Alors, arme perdue. Alors, je ne faisais que suivre les instructions du vieillard, mais je m'excuse de m'être fait passer pour Philo. En ce qui concerne les armes perdues et les clés d'aulne, j'ai fait un résumé aussi bref que possible, alors remercie-moi. Ouais, c'est ça. Pour obtenir les armes perdues du grand homme de 1, tu devras d'abord briser le sceau qui se trouve dessus. D'accord? Pour briser le sceau, il te suffit d'utiliser la clé d'aulne qui correspond à chaque arme. Tu peux trouver les clés d'aulne dans différentes zones. Après avoir brisé les sceaux, tu devras vaincre la bête. Ouais. En plus d'avoir la bonne classe, ils devront aussi avoir un personnage spécial comme le tien. Comme tu t'en doutes, Philo m'a demandé de prendre soin de toi quand il était encore en vie. C'est pour ça que je t'ai surveillé jusqu'à maintenant. Et plus le temps passait, plus j'avais envie de te voir mûrir de mes propres yeux. Mûrir ou mourir? On sait pas. Je ne sais pas du tout à quoi ressemble ce temple, mais ce n'est pas important. C'est respecte la dernière volonté de Philo. Ah... Ah, tu es l'empereur! Ouais, bien joué, je suis fier d'avoir un disciple comme toi, génial. Ah, c'est vrai que je suis l'empereur. Ah, bah, c'est pour ça qu'ils m'écrivent tous. Puisque Maître N a l'air de vouloir aller à la fête, je veux bien y aller aussi. Et ne te fais pas d'illusions, je ne serai pas là pour toi, c'est compris? Oh merde. Battement de cœur. Ah non! J'imagine que je devrais te féliciter. Ah, mais je ne sais pas trop.
Il y a une fête, pas vrai? Oh, je serai là pour célébrer ton heure de gloire. Ah, c'est étrange! Je pensais que les cérémonies de couronnement n'étaient qu'une perte de temps quand je suis devenu empereur. Mais, quand je t'imagine au centre de l'attention, mon cœur bat la chamade et j'ai une douleur dans la poitrine. J'aimerais te décrire ce battement assez haut. Ah mon Dieu! Atoli, la candidate utilisateur d'épithète, est guérie et nous avons pu sauver Endurance et Sakubo. Et c'est un excellent résultat. Je vais bientôt t'envoyer des nouveaux ordres. Et reste à disposition d'ici là. À mon lieu. Ah, félicitations pour ta deuxième cérémonie de couronnement. Je suis très heureuse de savoir que la petite fille est guérie. Ah, ça ne me regarde sûrement pas, mais je vais te dire un truc. Ne te laisse pas abattre par ce qui est arrivé. Tu devrais être fier de ce que tu as fait. Eh oui, ce qui est arrivé à Tsundere est affreux, mais n'oublie pas que tu as pu sauver Sirius. Tu devrais faire une pause, jouer à d'autres jeux, mais je suis bien consciente que ce n'est pas ton fort. Je te verrai à la fête. Ah bah oui. Ah, c'est grâce à toi si Atoli est guéri. Ah, je n'ai pas été d'une grande aide. J'espère que tu pourras me pardonner. C'est vrai que j'ai abandonné GU à mi-chemin, mais je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Je t'aiderai du mieux que je peux. Et puis, je suis habitué à agir de cette façon. Longue vie à notre amitié, ouais, c'est ça. Agasuparu. On s'en fout. Syllabus. Ah non, c'est Shimpachi. Ouais. Apotiche, ah mon dieu. Ouais. Ah lol. Elle peut pas venir à la fête. Elle a du travail à l'arbre lunaire. Ah mon dieu. Ah la pauvre. Atoli. Naotte yokatta na. Party ni wa konai no ka? Ouais, mais elle va tellement finir dans le coma aussi, Atoli. Ah, allez, hop. À vie, on va faire la fête. Makuanu no minatoku de ibento NPC ni hanashikakereba ii nda na. Allez, go. Il y a combien de zones d'arène de PVP? Sakaki-san, sore de oshigoto tte nan de sho? Atori. Kore wa totemo juyou na shimoto da. Tsuki no ki no risou o jitsugen suru tame ni wa nakute wa naranai koutei nan da yo. Tsuki no ki no? Tanomeru kai, Atori? Hai, mochiron desu. Sakaki-san no tame nara watashi. Ii ko da. いいかい、アトリ。お前は償わなければならない。え？お前の犯した罪を。Allez, c'est parti。榊さん。この音。聞こえる。あの音が。いけません、榊さん。ここは危ない。なぜ耳を塞ぐ？よく聞きなさい、アトリ。その音はお前のためになっているんだよ。あれは清めの音。そしてここは懺悔の部屋だ。さあ、すべてをさらけ出せ。仮面の下に隠した傲慢、虚飾、恐怖、すべてつかみ出せ。お綺麗な PC の下に潜む矮小なお前自身を見せてみろ。榊さん。これは。お前は罪を償わなければならない。え？分かっているはずだ。お前の過ちがどれだけの犠牲を生んだか。それは
アイダサーバーが発生したのは誰の責任だ？あれはひどい事件だったな。 PK に襲われた善良な PC が一人また一人、抵抗もできずに意識不明になっていった。長谷尾君たちの活躍で皆復帰できたからよかったものの、彼らが失敗していたら大変なことになっていたぞ。でもそれはボルドーが力に溺れたのは誰のせいだ？違う。そうかな。アイダサーバーでアイダに感染しなければ彼女もああはならなかった。そうだ、ボルドーだけではなかったな。ヨウコウは？彼女はどうだ？私何も。そうだな、彼女を PK したのはボルドーだ。お前じゃない。お前は悪くない。だがそもそも、ouais je sais。あ、du coup je l'ai téléchargé qu'il a risque d'être なかったら。On va。ヨウコウは意識不明にならなかったんじゃないか。On va le faire un jour。であればもちろん。長谷尾君も悲しまなかった。長谷尾君が悲しむことになったのは、sur PC、tu vas sur Humble Bundle、sur le store。アトリ。おや？答えが聞こえないな。では、私が代わりに思い出してやろう。誰のせいだったかな。ああ、思い出した。すべてお前のせいだったな、アトリ。否定しても答えは同じだ。自分でも分かっているんだろう。悪いのは誰なのか。あ、バレる。Mais non, Potiche, c'est une victime. C'est l'ultimate, l'ultimate victime, tu vois.Elle est juste là pour s'en prendre plein la tronche. Elle va finir dans le coma à un moment ou à un autre. Forcément. Alors que bon, là, techniquement, tu vois, elle avait même pas besoin de l'écouter. Elle aurait pu se barrer direct quand elle avait compris que c'était. Ça pue la merde. そうやってお前はいつも私に救いを求める。だって私榊さんしか私。あ、mon dieu、est-on assez haut d'amour alors? お前のすべてを許してあげる。世界がお前を憎んでも疎んでも、私だけはお前を必要としてあげる。榊さん。だから。Mais si elle l'aime. Ah, c'est juste qu'elle le sait pas encore. お前は私に従わなければならない。私と分かたれたが最後。お前はとはの。Bah si elle le sait d'ailleurs. Elle lui a carrément fait sa déclaration et tout. 怖いだろう。人。Dans le volume 1.人は他人のぬくもりを求めるもの。真に一人で生きていけるものなどいないものな。Oublie-moi, petit, je fais tellement. 目を閉じなさい、アトリ。楽にしていい。Ah, du coup, est-ce qu'on peut faire des trucs Peggy 18 dans Dotac? Ah!On sait pas, peut-être. C'est plein de sous-entendus tout ça. Ces dernières phrases là, c'était pas très clair. Il s'est passé des trucs. Hein. Allez, on va faire la fête. Potiche, je vais plus être là pendant un moment. Wouh! Ah putain.
Mais c'est con parce que c'est le seul healer. Il n'y a pas d'autres healers dans le jeu. C'est n'importe quoi, ça, par contre. La téléportation, c'est là-bas. Ça manque tellement de healers. Ah oui, tiens, il y a le gars de la moto. Ça fait longtemps que j'y suis pas allé. En même temps, j'ai pas fait la moindre mission. Donc je pense pas qu'il ait des nouveaux trucs. Je vais voir. Ça m'étonnerait. Ça, j'ai déjà acheté. Ouais, tout ce qui est bien, j'ai déjà acheté. Ok. Et ça, c'est quoi? Docteur Keppel? Ouais. Ah oui, gros chon, ouais. Ouais, il faut l'aider, blablabla. Voilà, on l'a sauvé 5 fois sur 50. Ah, génial. Et du coup, ils auraient tellement pu faire le transfert d'un volume à l'autre. Ça aurait été moins relou, parce que là, faut le faire tellement de fois en plus. Vas-y, on y va. Hop. En fait, l'île, elle est juste à côté. On pourrait totalement y aller en barque. Oh putain.星が泣き、星は砕けた。世界に祝福された戦士たちは星々さえ打ち負かし天に昇る。さあ讃えよ。手にした名誉を捨て再び苦難の道を選んだ勇気を。さあ登れ。選ばれたつわものがさらなる高みを求めて踏んだ栄光の階段。 紹介しよう。新チャンピオン、ハセオチームだ。 Le tapis clignote. それでは、戴冠式を兼ねた優勝賞品の贈呈に移りたいと思います。 おめでとう。 Ah, sabre paradis. Je crois qu'il y a un message caché. En fait, Aseo, il est déjà mort. On m'a offert la mort imminente, et maintenant on m'offre le paradis. Je crois que il s'est passé des trucs. Hein. Allez, c'est reparti. Ah putain. Alors attends. Ah du coup, moi, je vais m'équiper. C'est quoi, sabre paradis? 91. Ah ouais. Ah d'accord, ah, je peux mettre celui-là, remarquez. Pourquoi pas. Allez hop. Bah allez. Ah donc il y en a encore un. Donc il doit y avoir 4 palais quoi. Vu qu'il y a 4 volumes. On va faire un palais par volume, quoi. Ne sauvegarde d'un volume à un autre. Ouais. C'est qui, lui, Dimitri? Il est tout le temps là, on sait pas qui c'est. Ouais. Bon, j'en sais rien. Je suis toujours en deux dans la guilde. De toute façon, j'ai pas l'intention de la monter. J'en ai rien à cirer. ああ、はい。ハセオか。悪いのでは見苦しいところを見せた。恥を承知でこうしてやってきた。陽光のことは俺に責務がある。なんと言われようとも仕方がない。俺があんな力に溺れさえしなければ。あんたを責める気はねえ。俺にだって責任もある。俺はもう 無力な1PC でしかない。頼む、ハセオ。陽光。分かってるよ。
Ouais, mais du coup, tu vois, c'est... ce que je voulais dire, c'est que c'est la même quête annexe d'un volume à l'autre. Alors du coup, ils auraient pu... ils auraient pu mieux s'arranger au niveau de ces quêtes. Parce que là, ça te demande de farmer à l'infini pour les finir. Alors que, bon, finalement, tu retrouves toujours la même. Ça, ils auraient pu adapter les objets d'un volume à l'autre et c'était bon. Tu sais, en faisant se déverrouiller les objets que quand t'es dans un certain volume, tu vois. Genre, tu ramasses 30 fois le robot dans les donjons. Il prévoit une récompense pour le volume 1, une récompense qui se débloque que quand tu commences le volume 2, ou que tu y es déjà, ou que tu l'as passé, etc. Tu vois. Pareil pour le volume 3 et le volume 4. Ça aurait été mieux. Mais moi je veux un match comme ça là, un match normal. Y'a pas moyen. Petite coude. Tu crois que je me rappelle de tout, hein? J'ai pas de mémoire, hein. Donc les trucs dans le genre, je me rappelle pas, j'en ai rien à cirer. Mais bon, si c'est ça, c'est un peu con quand même. Alors, du coup, ça devient ultra routinier, quoi. En termes de structure narrative, ça va devenir usant. La première fois, c'était cool. Oh, la deuxième fois, bon. Ouais. La troisième, par contre, si on refait encore le coup, ça va commencer à pas passer. Non, ouais, ce sera pour plus tard, là. J'imagine qu'Aseo, il va aller pleurer. Et il y aura Pipi qui viendra le réconforter. Voilà. Alors. À 200 jeux par an, oh mon dieu. Ah, ça fait un jeu tous les deux jours, hein, mon gars. C'est compliqué. Non, je voulais pas te reparler. Ta gueule, Rudolf. Voilà. LOL. Mais t'as fini de dire LOL. Ah mon dieu. おめでとう。敵分でもなさそうね。ヨコの意識は回復していないわ。お嬢さんの場合とは事情が違うから。な。未帰還者になったプレイヤーはどうすれば回復すると思う。私たちにできるのはただ逃げないことだけよ。 Ah, génial. Ouais, y'a Pyros aussi. Alors, le gars, il s'est complètement tapé l'incruste.
前回のベーゼはなかなか気に入ってくれたようだな。気に入ってねえよ。ということでプレゼンツ第2弾、今回は、nope. あっつい灼熱の抱擁を送りに来たのだ。あ、めとるもんどんあっぷれフェスだせよ。待て、落ち着け、迫るな。あ、もうで、よせ、やめろ。恥ずかしがらずとも良いのである。ギャー。あ、ジェニアル。なんか疲れたな。Ah. 少しだけ一人になるか。Allez, va pleurer dans le bosquet là-bas. 今日は、fin. オーバン、パーティーに来てないな。アトリも。そういえば、月の木の連中を見かけないな。ハセオさん。アトリ。来てたのか。月の木の仕事は。お、アトリ、ハセオ、ここにいたの。どうした、揃ってケースを変えて。月の木で大変なことが起きたらしい。大変なこと？率直に申し上げます、榊が Kéaki sama a oulagi limas. Elle a un air de Boa Hancock, elle. De One Piece. Sakaki Hani no torare masta. Kéaki sama wa PK sare. Genzai wa yukue fume des. Uchi wa mome ka. Guildo nai no mome goto wa guildo nai de kaiketsu shiro yo. Tada no PK nara sou kamo shirenai keredo. Sakki.ヤタ様から連絡があったの。月の木本部があるエリアで強い間反応を確認したって。間？ケヤキは間の反応のあったエリアで PK され行方不明になった。ってことは、つまり、ええ、未帰還者になっている可能性が高いわ。どうかご助力願えませんか、ハセオ殿。どうして俺に頼むんだ。ケヤキ様は常々おっしゃっていました、自分に何かあればハセオさんを頼れと。俺を？はい。お願いいたします、ハセオ殿。月の木本部の状況を詳しく説明してくれ。中は悪夢のようでした。アトリが、いや、アトリ自身ではなかったのかもしれません。とてもうつろで操られるように欅様を。アトリが欅を？黒い斑点が皆を襲い、斑点に取り憑かれた者は互いに戦い始め。アイダの感情増幅ね。おもすれ débarrassé。他にアトリちゃんのことで気づいたことはなかった？気づいたことですか？そういえばアトリの体の周りにも黒い斑点が見えたような。まさか。状況から考えて間に感染した可能性が一番高いわね。行きましょう、非分使い候補を失うわけにはいかないわ。違う。ハセオ？アトリだけじゃねえ。もうこれ以上誰も意識不明になんかさせねえ。二度と誰も失ったりしねえ。あ、
ハセオ、一度タウンに戻りましょう。各自準備をしてカオスゲートに集合ってとこか。ええ、急ぐわよ。Ah, bah allez, on rentre. On va tuer Potiche. J'y crois à fond. J'y crois totalement. Il est où l'autre? Là-bas. Ah, vite! Ce gros bateau pour 3 personnes et demie. Delta Server, Krenazm Mukyu no Yuzuki ni Kun to Pai o sasotte iko. Ah, vite! J'ai pas le temps. Hop. Voilà. Voilà. Et puis on va sauvegarder. C'est Médéi. Alors, voilà, il est là. Hop, ok. Eh ben, impeccable. Eh ben, du coup, on va s'arrêter là pour ce matin. Dotac, la suite, ce sera demain, comme d'habitude. Et puis, voilà, cet après-midi, on fera un truc. Sûrement du Lego Marvel, je pense. J'ai bien envie d'essayer. Donc si ça marche, on se fait ça, je pense. Et ce soir, ce sera du Pokémon. Voilà. En tout cas, eh ben, merci d'être venu. N'hésitez pas à follow la chaîne si c'est pas fait. Je vous fais des bisous, évidemment. Je vous souhaite bon appétit aussi. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Ciao.